Donc voilà. Voilà. Donc voici une autre map. Donc ça va bientôt commencer. Je suis encore en équipe avec Monsieur Fanta. Toujours le même principe du Hunger Games, ça, on rase les coffres, tout ça. Oh, passons! De quoi frapper. Oh, de quoi manger. Moi, monsieur, j'ai eu un gros petit lag. Donc, vous avez tous vu, hein, vous êtes tous témoins, j'ai pris des choses et je n'ai reçu qu'un petit poulet qui ne m'a servi à rien. Fanta, où es-tu? Je te suis, Fanta. Oui, Fanta. Allez, go! Fais gaffe, ça se fait épais là-bas. Ça se fait épais là-bas. Voilà, c'est bien. Je prends cher. Ouais, j'étais couru d'avant. Et oui, malencontreusement, point de stuff. Donc, cette map. Voilà, cette map, elle est bien. Donc c'est simple, cette map, bah, c'est une map comme les autres. Souvent il va falloir casser un peu de feuillage, ou... ça a beaucoup de jumpers. Enfin de jump, pardon. Et je ne suis pas très très fort en jump. Là là là. Bon. Bon. On va attendre. Papa. En fait, ce qui est le plus chiant dans Hunger Games, c'est quand on doit attendre pour faire une partie. Voilà. Donc là, je dois attendre encore 1 minute et 30 secondes. Fanta, est-ce que Fanta, il est là? Fanta. Je comprends ce que c'est que lui, c'est dans le genre. Fant... donc, on va pas me frapper, voilà. Bon. Allez, 30 petites secondes en principe. Allez. Alors, bon, je fais une partie sur Fanta, voilà, c'est pas grave. Ouais, déjà. Puis il est rapide. J'arrive à manger, j'ai de la défense et j'ai tout à frapper. Et c'est parti pour du jump, là. Pour du jump, hein. Hi. Je suis poursuivi en plus, super. Pouvez pas revenir. Pouvez pas revenir. Oh, ça va, je me sens pas trop mal.